Là, par contre, il t'a pas crié pour vous. Voilà, c'est mieux comme ça. Les gars, on respecte. Oh, tu as commencé à pousser déjà. Voilà, c'est bien. C'est pas mon prénom. Mon ami, j'espère que tu vas réussir. Ok, d'accord. N'avancez plus. Voilà, vous avez commencé encore. Non, on reste juste en bas. Ouais, d'accord. Ok. Je ne vais pas essayer. Les gars, le sujet vient. Oh putain, mission qui t'ouvre, ces gars-là. Putain. On passe plus, oh, c'est quoi ça? Chut. Mais faut faire votre travail. Non, tu vas garder ta fonction. On bouge plus, s'il vous plaît. Monsieur. Non. On bouge plus. Ok, le contact. Non, restez tranquille, les gars. Restez tranquille. Je vous en prie. Je vous en pardon. Le sujet vient vers nous. Oh, s'il te plaît, pardon. C'est tellement beau comme ça. Vous qui avez le téléphone, laissez-nous bosser. On va le voir venir, s'il vous plaît. Reculez un peu. Thank you.
Syriac. Est-ce que tu peux passer derrière?
Tiens, attends, attends. Enlève la caméra, tu crois. Mets la caméra. Attention, il y a une caméra, attention. Oh, 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 oh. Oh. Non, 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 non. Ah, oui. Fais vite. Tiens. Vite, donne-moi la caméra. T'es enlevé ? Tu fais quoi ? Plus quoi ? Là, t'es vidéo. Ah, je m'en vais, vidéo. Regarde, ta tête est devant moi. Viens. Doucement, les gars. Non, recule alors, viens. Moi, je veux plus bouger. Pardon, recule, viens, fais un pain derrière. Oui, parce que tu es dans le champ carrément. Viens, tu as la place derrière. Attention, tu es au même. Tu es dedans même, viens. Pardon, laisse la venir. On va. Oui. Bon, ça, peut-être un grand... Tu fais comment? Prends le mono là. Prends le mono, mets la caméra dessus. Regarde. Tiens, oui, demande à mon collègue. Kadi, le soleil. Mets ça à l'ombre, s'il te plaît. Oui, oui. Va encore, va. Va. Voilà, parfait, c'est bon. Il n'aura rien. C'est bon là, parfait. Rien qu'on trace. Oui. C'est bon, prends ta position. C'est bon. Pardon, c'est. Oui, c'est bon. C'est bon, t'as niveau. C'est bon. Parlez dedans, testez. Pourquoi il va pas laisser faire tourmenter? Mmh, d'accord. C'est là qu'on vient pas. Attention, c'est parti. Mon ami, ouais. Tu bouges plus, tu restes comme ça. Mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, je viens de voter ce samedi 31 octobre, date constitutionnelle de l'élection présidentielle. Je suis heureux de l'avoir fait et je vois beaucoup de monde ici même. Et j'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine. Donc les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter. Car je suis certain que nous tenons à respecter la Constitution. Il prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le quatrième samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du président de la République. Donc je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie. Et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je veux compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance. Nous avons un beau pays,
les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir, car c'est de votre avenir qu'il s'agit. Je voudrais remercier les journalistes qui sont ici nombreux d'avoir participé à cet événement important. Et nous considérons que la Côte d'Ivoire est maintenant non seulement un beau pays, mais un grand pays du continent, et nous continuerons notre marche vers le progrès dans la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Pas de problème. Attends, tu me mets des gens. Messieurs, allez par là-bas. Deux aliments, viens, venez par là. Non, on est bien, on est bien. Je suis toujours.
bien mais sensationnel. Nous sommes sur une arme majeure pour gérer le pays. Le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui a sorti de crise et a besoin de stabilité. Et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Bougez, s'il vous plaît. Et le président vient de voter dans le calme, avec dans une ferveur qui me rappelle son élection en 2010 et 2015. Vous voyez que tout se passe normalement. Toute la Côte d'Ivoire, partout sur les lieux, dans les lieux de vote, et les Ivoiriens sortent massivement dans le calme, dans la ferveur, avec une détermination pour aller exprimer leur choix. Pour nous, c'est une fierté. Là, juste le taux de participation, quel est le retour qu'on vous remonte à ce moment-là? Non, le taux est très bon, il était très très bon. Je voudrais le garder pour moi-même, puisque le taux de participation est une sorte de dérivé du résultat final. Mais en ma qualité de chef des élections, les équipements technologiques que nous avons, les taux que nous avons sont extraordinaires par rapport à ce qui avait été annoncé. Vous le verrez, on pourra peut-être se prononcer sur le taux de participation autour de 22h-23h à notre sujet des campagnes à la rue Le Pic, où nous avons un lieu de centralisation. Mais les chiffres en association font état de ce que c'est un taux qui est de loin. Au-delà des taux que certains candidats qui pourtant nous ont gérés, nous ont dirigés pendant 10 ans dans ce pays, de 2000 à 2010, n'ont même pas atteint. Ce taux-là est déjà atteint à l'heure où je vous parle. Donc ça, je peux vous dire que... Je vois depuis le marathon.
Merci. De l'espace, sa représentativité que la Côte d'Ivoire dans son ensemble aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas le déluge. Nous avons un bon temps, le temps est clément. Ces violences verbales. Les Ivoiriens ont besoin de paix, de stabilité, ils sont en train de le démontrer. Moi, je viens de voter, j'ai vu que partout, il y a vraiment. Les gens se sont réveillés et puis se rendent compte que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Je pense que définitivement, la page va être tournée. D'autres ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. Nous, nous avons dit que nous sommes la Côte d'Ivoire des élections. Parce que cette élection doit permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer son développement, sa stabilité, de consolider sa paix. Donc, face à une Côte d'Ivoire qui est opposée aux élections, face à une Côte d'Ivoire minoritaire qui n'a pas de programme, nous, nous avons écouté les Ivoiriens. Les Ivoiriens nous ont écoutés et je crois qu'aujourd'hui, c'est le couronnement de toutes les tournées que nous avons faites. C'est le couronnement des échanges que nous avons eus avec les populations. Mais c'est surtout l'aboutissement de l'adhésion au projet de société du meilleur candidat, le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous avez constaté, le candidat Alassane Ouattara, voilà, il est venu, il a voté, il est parti, et c'est ainsi que vous avez pu suivre tout cela avec Plume Libre. Restez connectés avec Plume Libre.